plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur, we've been hanging and banging, brother. La foule est en délire, the fool is in the liar. WCW. New World Order. J'ai la chair de poule. Comme disent les Américains, I've got the chair de poule. TNA. Impact. L'arbitre demande le prix. Et on parle pas de fromage. T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, The Original. Vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Maltais. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi. Communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud, Sylvain, Maxime, Louis-Philippe. Ou encore, écrivez-moi en privé. Je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, Gestion de patrimoine. Salut à tous. Bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Je me présente Handsome GF à l'animation aujourd'hui en compagnie de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Marc Blondin. Je suis abasourdi. Tu l'as eu! Incroyable. Incroyable. Content de te retrouver, Marc. Hey, moi aussi, Handsome. Puis on a un podcast intéressant sur une des personnalités de la lutte pour les plus vieux qui nous a quittés il y a quelques semaines, en juillet. Oui, exactement. Mr. Wonderful, Paul Orndorff. Pas facile à prononcer. Ouais, imagine-toi pour un annonceur de ring. Essaye donc de le présenter, voir. Mr. Wonderful, Paul Orndorff! Oh, t'as pas la langue molle ce matin, c'est bon? Non, je prends du café et non des shooters cheap à couture. Ah, c'est ça le truc. Ouais. On reste au café. Hey, je vais faire sa bio rapidement juste pour mettre la table. Paul Orndorff, né le 29 octobre 49 à Winchester. Ça, c'est en Virginie, ça. Virginie. Parce que Winchester, je pense qu'il y en a un en Angleterre. Possible. Oui, possible. Moi, je connais ça. Je suis un globe-trotter. Incroyable. Il est mort, comme tu as dit, le 12 juillet dernier à 71 ans, de démence, qui est un peu triste pour un lutteur qui était un ancien joueur de football. Il a joué à l'université, puis ensuite, il a été repêché dans la NFL en 73. Il a joué juste 2 saisons dans la NFL, une avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, puis une avec les Bears de Chicago, puis il a commencé la lutte en 76. Mais c'est drôle que tu dis il a juste joué 2 saisons à la NFL. C'est quand même quelque chose. Oui, mais des fois, tu t'attends à avoir une plus longue carrière. Ouais. Puis, comme Goldberg. Goldberg n'a pas joué longtemps non plus. À cette époque-là, tu as bien des lutteurs qui faisaient la transition vers la lutte parce que c'était des gros bonhommes, ça s'entraînait, ça paraissait bien. Puis c'est ça, il était connu pour avoir travaillé à la National Wrestling Alliance, la NWA, à la World Wrestling Federation, qui était à l'époque WWF, puis à la World Championship Wrestling, WCW. Moi, c'est un peu là que je l'ai plus connu. Mais tantôt, on en parlait avant d'embarquer live sur le podcast, de choisir ce nom-là. Ça prend une confiance en toi, puis ça prend une confiance de la machine en arrière. Parce que Monsieur Wonderful, Wonderful, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est... On cherchait le bon mot tout à l'heure, puis on ne le trouvait pas. Mais écoute, Wonderful... Mais tu sais, c'était un gros bonhomme, Comme toi. Ton nom, Handsome. Ouais, mais je lui, il était vraiment merveilleux. Toi, t'es pas vraiment beau, là. Mais je me trouvais beau, v'là une vingtaine d'années. Hé, hey, boboy! Ouais. Ah. Je me trouve encore pas pire, là, mais à cette époque-là. Ah, mais regarde, tu pourrais changer de nom de lutteur. Au lieu de Handsome GF,
pas pire, GF. Non. Ouais, c'est moins vendeur, hein? Ouais, c'est sûr. Pour le fameux show de lutte au mois de mars, là, ça va être... Ou en anglais, pas pire, GF. Ouais, je suis moins sûr, ça, par contre. Ouais. Tout ça pour dire que, Marc, tu avais une chanson à nous faire découvrir. Oui, ben, on disait ça, là, que la WWF, juste avant d'aller à la pause, qu'ils ont vu quelque chose en lui pour accepter le nom de M. Wonderful. Alors, Marc, c'est peut-être eux qui y ont donné. Possible. Parce qu'il était un peu différemment, là. Mais si tu regardes Hulk Hogan, blond, bâti, lui, ma mémoire, je le vois avec un maillot blanc. Oui, exactement. Bronzé, comme Hogan, blond, comme Hogan, bâti, mais pas la même personnalité, pas la même aura. Tu sais, moi, j'ai déjà dit à des gens, puis on fera un podcast sur Hogan à un moment donné, que quand il rentrait dans une pièce, il y avait comme un aura autour de lui, là. Monsieur Wonderful l'avait pas. Non, monsieur! Okay. Mais si tu regardes vraiment, on est loin de Valentine. Je m'en ai dit Ellis Valentine. Greg the Hammer Valentine, qui était blond, tout ça, mais pas pareil. Là. Ouais. Lui était vraiment ce qui se rapprochait le plus de Hogan en look. C'était l'antichrist, un peu. Là. C'était vraiment le... Oui, c'est vrai, t'as raison. C'était le méchant pour faire face à Hogan. Ouais, puis dans le même on gabarit, va en parler tantôt, style, mais ouais. Moi, je le voyais pas face, là. Non, moi non plus, pas du tout. Pas du il l'était un peu, là, mais... Ouais. Écoute, on va faire la première pause et au retour, j'ai choisi une chanson et j'invite les fans qui, comme toi, le connaît pas, d'aller regarder ce vidéo-là sur YouTube. Ça s'appelle « The Land of a Thousand Dances ». Donc, et vous faites WWF, c'est 1985. Toutes les vedettes de ces années-là sont dans la vidéo. Et on voit Paul Orndorff. Moi, c'est les premières images. On en reparle après la pause. Tu aimes le podcast et tu voudrais l'appuyer en étant un commanditaire ou encore, tu connais quelqu'un qui pourrait nous soutenir, mets-le en contact avec nous, Messenger ou encore en message privé ou au sim1958@commercialgmail.com. Deviens partenaire du Soyez-y, mesdames, messieurs. Oh, you're such a yo-yo. You got to move up to the chic. Oh, on a entendu pour terminer la petite voix de notre ami The Mouth of the South, Jimmy Hart. Qui dit à Bobby Heenan, hey Bobby, tell them what to do, là, tu sais. Écoute, tu l'avais jamais vu. J'ai jamais vu ça, jamais. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là, des années 80, WWE aimait faire à ses lutteurs plein de choses, de la chanson. T'entends même Iron Sheik chanter. Puis à la fin du vidéo, c'est drôle, on parle de Paul Orndorff aujourd'hui. Il prend le tambour, s'en va pour frapper Roddy Piper qui se tasse puis qui envoie Bobby Heenan, qui a été longtemps le manager d'Orndorff, puis Orndorff assomme Bobby Heenan avec le tambour. Oui, bien écoute, je te l'ai dit, moi j'ai le record de What ça. The fuck? On l'appelait ça comment aussi? Un long jeu. What the fuck? Depuis quand on appelle plus ça un long jeu? On appelle ça encore des longs jeux. Aujourd'hui, ils appellent ça des vinyles. Mais peut-être les plus vieux. Bordel de merde, un vinyle! Un vinyle? Oui, mais... La nouvelle génération appelle ça des vinyles. Ah oui? Ah oui. Mais pas des longs jeux. Non. Mais nous, on appelait ça également des 33 tours. J'ai connu ça, moi. Oui? Un 33 tours. Mon premier, c'était Stevie Wonder. I just called to say I love you. Mais si on vient à je dirais pas nous moutons chutanés, là.
Quoi? Mais on va avoir l'effet sonore du mouton. Ah, ça va être parfait. C'est sûr, c'est sûr. Yes! Puis ça va déplaire à ton ami le coyote. Qui aime pas les effets sonores? Non, lui, il aime pas ça. Il y en a bien qui aiment pas ça, mais moi, j'adore ça. Puis c'est le podcast à qui, ça? À moi. Fait que t'as le droit. Oui, mais sans que j'ai le doigt. Le doigt. J'ai le doigt. J'ai le doigt. Le doigt. Mais écoute, tu disais qu'à cette époque-là, la WWF, il y avait les dessins animés. Le plus jeune, les samedis matins, c'était... Je sais pas si tu fais ça avec tes enfants... Ça existe encore le samedi matin, un avant-midi de cartoon. Là. Mais avec Netflix, là, ils mettent pas mal ce qu'ils veulent écouter comme cartoon. Ah, ouais. Fait qu'on n'écoute plus vraiment la TV conventionnelle. OK. Mais dans le temps. Ouais, je sais, mais j'ai connu matin, ça moi aussi. Moi, j'étais plus vieux, là, mais j'avais accroché. Toujours, moi, c'est le marketing qui m'a amené là. J'étais là, ben voyons donc. Puis c'était sharp, là, les bonhommes. Puis si on regarde les lutteurs qui sont dans le vidéo. Écoute, t'as Nikolai Volkov, oui. T'as Junkyard Dog, le Sheik, Don the Rock Morocco, ou The Magnificent Don ouais, Morocco, ouais. Je sais pas trop, Hillbilly Jim, Macho Man est là, Jesse the Body Ventura, Greg the Hammer Valentine, il y en a d'autres qu'on connaît moins. Les gérants, Lou Albano. Oui, Captain Lou. Oui, Freddie Blassie avec sa canne. Monsieur Fuji. On a parlé également de Bobby Heenan. Ouais. Écoute, c'est un match d'étoiles. C'est là, des grosses années. Là. C'est juste des vedettes. Tu sais, puis t'as Vince McMahon qui chante. Mon ami Mean-Gene Okerlund ouais. aussi. Écoute, moi, quand j'ai vu ça, ça a été... Il y a un clic qui s'est fait. J'ai fait comme... Wow! Fait c'est que t'as accroché, débile. T'as accroché. Là, c'est les années qui t'ont fait accrocher à la lutte. Oui, et pour ce qui est de Paul Orndorff, de le voir s'embrasser les biceps, c'était sa pose préférée. Ouais. Malgré que sur la vidéo, il n'y a pas un maillot blanc. Non. Il fallait qu'on dise qu'on l'imaginait en maillot ouais. blanc pour l'avoir avec un maillot bleu. Que je ne l'ai pas vu souvent. Mais c'est là que ça partit. Toi, c'est quand tu as revu un WrestleMania? Mais moi, je l'ai connu de WCW. Là. On va en parler un peu plus. Mais gars, je peux en parler tout de suite. Là. Il était à WWF de 83 à 88. Fait après... que si tu regardes, excuse-moi ouais, de vas-y, couper, vas-y. 83 à 88, moi, je suis rentré le 15 juin 86. Okay. Fait que j'ai fait un an et demi sans savoir exactement la date qui est partie de la WWF. Là. Mais je l'ai peut-être vu pendant un an. Fait qu'on va revenir, on va non, revenir mais écoute, tantôt. On peut aller là-dessus. Moi, je peux le dire rapidement. Moi, je l'ai connu à WCW un peu plus tard. J'ai revu le main event de WrestleMania 1, qui était Hulk Hogan avec Mr. T, accompagné de Jimmy Snuka, contre Mr. Wonderful Paul Orndorff avec Roddy Piper et Bob Orton comme manager. Moi, j'ai revu ce Cowboy. Match. Cowboy! Le Cowboy. Puis c'est ça, moi, j'ai vu ce match-là, puis je l'ai connu à WCW, puis j'ai vu qu'il avait été intronisé au Temple de la Renommée en 2005. Fait que moi, c'est un peu ça. J'ai pas d'énormes souvenirs de lui. Mais là, on revient à la période WWF. Toi, tu l'as connu là-bas. As-tu eu la chance de l'interviewer souvent? Souvent, non, parce que... C'est une courte période, c'est ça? Exactement. Mais, écoute, je suis presque certain, à 99%, puis là, je te dis, là, je frôle le 100% que je l'ai amené au salon de l'autosport. Je sais que j'ai amené à Place Bonaventure. Okay. Je sais que j'ai amené The Dragon Steamboat. Et là ça me revient. J'ai amené M. Wonderful là. Je revois encore la pancarte en arrière. Okay. À Place Bonaventure, il y avait un salon où il y avait des muscle cars. Il y avait, c'était vraiment... OK, c'est pas le salon de l'auto conventionnel. Non, là. C'était non, un non, événement non, spécial non. de muscle car, d'auto modifié. Muscle car, d'auto modifié, de dragster. Okay. On parle pas du tout du salon... De l'auto régulier. Non. Et il y avait souvent des vedettes. Exemple, à ce salon-là, ils ont déjà eu Knight Rider. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, a kit if you prefer. David Hasselhoff. Exactement, Hassel. Hass comment? Hasselhoff.
Pas sûr que c'est ça, là, mais... David Hasselhoff. C'est ça son nom? Mais voyons donc. Tu le prononces de même? Je sais pas, là, mais... Ben, d'après moi, non. Non, monsieur! On ouvre les lignes, appelez-nous. Mais c'est ça, il faisait amener des... Ouais. Et Est-ce qu'il y avait un kiosque pour les lutteurs attitrés? Non, mais ben, nous autres, à C'est quoi, parce que tu te souviens, dans le temps, j'étais à C'est quoi, on commanditait, et quand les dates arrivaient, il fallait que ça arrive, le timing des dates était bon. C'est arrivé deux fois de mémoire, comme je te dis, Ricky the Dragon Steamboat, qui était un succès. Ça, j'ai des photos de ça, et j'ai pas de photos de M. Wonderful, mais dans ces années-là, il était tellement fort que... Fait que ça, c'était une approche privilégiée avec lui. Et j'ai les dates des entrevues que j'ai faites avec lui, qu'on va revenir après la prochaine pause. Et on va bien sûr parler de la WCW, où je l'ai revu une dizaine d'années plus tard. Fait qu'on parle de ça après la pause. Parfait. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. On est de retour. On parle encore de Mr. Wonderful Paul Orndorff, de sa période WWF. Marc, je voulais te demander, tu me parles que tu l'as amené au certain salon de l'auto. Ta relation avec lui, comment tu pourrais la qualifier? Écoute, on en a parlé tantôt, ce n'était pas un personnage très coloré. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis avec Bobby Heenan. Heenan faisait toute la job au micro. Ouais. De mémoire. Et également, on en a parlé tantôt, ils ont essayé à un moment donné de le mettre en face. De mémoire, c'était pas... T'as pas fait pour être face, tu sais. Fait que... la relation avec lui, jamais aussi privilégiée qu'avec d'autres. Tu sais, je parle souvent Duggan, puis Jay. Hey, parlant de Duggan, il m'a répondu hier par texto. Ouais. Je l'avais appelé pour qu'il participe. Tu sais, on avait parlé de la partie de Balmol, puis Rick Martel m'a appelé quand j'étais ici chez Pierre, justement, la semaine passée. Oui, exactement. Et là, hier, j'ai reçu au moins les deux... T'ont donné suite. Oui, exact. Fait que ça, c'est le fun. Puis ça, il faut que je remercie Maltais, parce que c'est lui, Pat, qui m'a poussé à les déranger. Dans ma tête, je dérange. J'ai dit, ben non, vas-y. Ouais. Et je finis là-dessus, je ferme la parenthèse que Duggan m'a dit, je ne fais pas beaucoup de podcasts. OK. Fait que je ne sais pas s'il a ouvert une porte pour peut-être que je lui donne un montant. Mais si oui, ben je vais poursuivre. Ben, j'aimerais ça avoir une heure avec lui pour être capable de mettre dans différents segments. Fermer la parenthèse. Okay. Donc, des gars comme, justement, Jake the Snake avec sa voix qui était basse, Duggan qui criait, Hogan, d'arriver au micro puis d'être aussi sacoche qu'eux autres. Ouais. C'était pas évident. Mais c'est un peu pour ça qu'ils l'ont mis avec un manager pour parler pour lui, c'est ça. Mais il arrivait toujours bien peigné, tu sais, et le peignoir rouge, moi je le vois rouge, là, écrit M. Wonderful dans le dos. Moi je le vois noir et blanc, son peignoir. Là, ça se peut, mais il a peut-être eu. Un peu à la Ric Flair, un peu, tu sais, le genre de peignoir. Exact. Je pense que même Jacques en avait un dans ce style-là. Jacques Rougeau. Oui. Oui. Alors, tu vois, mais j'ai trouvé. Le 28 septembre 87, c'est une des fois qu'il est venu à Montréal. Donc, c'est sûr que un gars comme ça, des semaines avant, j'ai été obligé, c'était un privilège, mais j'ai fait des entrevues avec lui pour l'amener... Pour mettre la table du mettre la table pour vendre les billets. Ouais. Et du côté des Saturday Night Main Event, moi, ça me dit... écoute, je pense que septembre 87, c'est Main Event, puis février 87, c'est au Forum à Montréal. Okay. Fait que l'année 87, c'est l'année... où j'étais, que je l'ai plus vu, mais tout en n'ayant pas une relation
aussi personnalisé qu'avec d'autres. Mais tu n'as jamais été prendre un verre après un show avec lui? Tu n'as pas eu ce genre de relation-là? Tu n'as jamais parlé de vos familles? Tu n'as jamais été hors du contexte de travail? Non. Okay. Mais tu sais, quand on s'est vu au salon de l'autosport, c'est sûr qu'on doit jaser, parce que c'est moi qui est allé le chercher et tout ça. Là. Mais c'est pas resté comme une rencontre mémorable dans ma tête. Okay, okay. Jamais comme quand j'ai rencontré Pierre Gaultier la première fois. Give me a hell yeah! What? Mais l'incroyable Pierre Gaultier, ouais, ça, ouais. Moi aussi, à chaque fois, je me pince quand je suis dans les studios PG à l'Épiphanie. Oui, mais lui aussi, c'était Mr. Wonderful, mais au clavier. Oui, mais il y a eu des grosses, grosses années. On pourrait faire un podcast complet sur la carrière de Pierre Gaultier. Fait que c'est ça, M. Wonderful, Paul Orndorff à la WWF. Et tu vois, moi, j'ai quitté 89-90 autour de ça. Puis lui, est parti en 88. Oui, c'est ça. Il a quitté en 88, une retraite prématurée. Il s'était blessé à un bras. Puis je pense qu'après la pause, on pourrait parler de son volet WCW quand il a fait son retour. Puis c'est un peu là que tu l'as recroisé plus tard parce qu'il a été lutteur et ensuite entraîneur. Donc après la pause, on parle de la période WCW de notre ami Paul Orndorff. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Je sais, Handsome, que tu voulais embarquer tout de suite avec WCW, mais je trouve ça dommage, la blessure de Paul Orndorff, qui est arrivé en 88, parce que, tu sais, c'est sûr que lui est arrivé au tout début, 83-88, a fait 5 belles années à la WWF, mais, tu sais, 88-89, puis tout ça, c'est encore très, très fort. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire... Il n'y a pas eu le... Ces deux années-là, il aurait donné probablement encore plus immortalisé ouais, le personnage. Oui, t'as raison, t'as raison. Parce que c'était des grosses années. C'était Hogan, Macho Man, Ultimate Warrior. C'était... Puis il y a eu quand même le... Tu sais, tantôt, je nommais ceux qui étaient là au tout début. Tu sais, toi, tu parlais de Jimmy Superfly Snuka. Moi, je parlais de Morocco, Sheik. Mais à un moment donné, eux autres ont comme disparu. Puis il y a eu la nouvelle garde des vedettes personnages qui sont arrivés. Il aurait pu facilement continuer une couple d'années. Mais il l'a fait avec d'autres fédérations. Oui, c'est ça. En 90, il fait un retour à la lutte. WCW World Championship Wrestling comme lutteur. Fait que là, il a été lutteur là-bas de 90 à 92 jusqu'à à peu près 95. Puis après, il est devenu entraîneur à leur école, à eux qui avaient le Power Plant, de 95 à 2001. Puis, je sais que toi, tu as fait WCW autour des années 98-99. J'ai fait deux segments à la WCW. La première, 90 à 92, style. Ouais. Puis, tu es revenu après. Et la première période, celle avec Richard Charland à RDS, on a eu zéro contact avec la compagnie. Ah, je te dis zéro, là. On avait un tape, puis on ne pouvait pas poser de questions. Il faut dire qu'à cette époque-là, les courriels puis tout ça, je ne sais même pas si c'était commencé, là. Fait que, on ne pouvait pas... tu sais, exemple, nous, toi et moi, avec Impact, si on a des questions à poser, pas sûr qu'ils vont nous répondre, mais au moins, on va envoyer un courriel. Ils vont nous répondre, mais pas tout de suite, mais ils vont c'est nous répondre. C'est ça, c'est ça. Alors, dans ce temps-là, c'était différent. Mais... La deuxième portion de ma carrière à la WCW, qui était pour l'Europe, avec le tourneur, qui a commencé en janvier 97 là-bas, c'est sûr que là, on avait des contacts. On voyageait. Sharon Sidello, qui était notre boss, et Jean-François Kelly. La légende vivante.
qui était notre boss au Québec, semble-t-il. Oui. Ben, on avait beaucoup de contacts, tu sais, autant pour les Nitro parties que des entrevues qu'on allait faire. Mais ça, moi, j'ai des souvenirs des entrevues que vous avez été faire là-bas. C'est ça. Avec des lutteurs qui rajoutaient un petit volet francophone au ouais. podcast que vous faisiez à RDS. Là. Et... un des puis on va faire un podcast sur ce que je vais te parler là, parce que là, on parle de M. Wonderful. On a, je sais pas l'idée vient de qui, mais à un moment donné, on était à Atlanta, et avec Rick Martel, Thor, le tourneur et moi. Et écoute, ça doit venir de moi, c'est comme rien. J'avais contacté pour qu'on puisse aller tourner un segment au Power Plant. Est-ce que tu sais c'est quoi le Power Plant? Mais le Power Plant, c'est un peu l'équivalent du centre de performance WWE aujourd'hui. C'était vraiment l'école de lutte WCW à cette époque-là, d'où Goldberg est sorti, dont d'autres lutteurs sont sortis de ce Power Plant-là là, pour la WCW. Pas sûr que Goldberg est allé là longtemps, par non, exemple. Non, mais le personnage... Moi, me semble, dans mon temps, là, j'essaie de me souvenir, il y a celui qui sortait du lot, là, c'était Palumbo? Chuck Palumbo? Oui. Ouais, mais tu as eu à l'époque de WCW, il était devenu après les Natural Born Thrillers. Tu avais Chuck Palumbo, Sean O'Ware, tu avais Mike Sanders, tu as eu un gars qui s'appelait Reno. Tu as toute une gang de jeunes coqs qui sont sortis. Mais lui, du il était plant. Là... Chuck la Palumbo. Journée okay. qu'on a tourné... un grand bonhomme, ouais. les cheveux frisés. Oui, exact. Et il y avait Sarge. Oui, le Sarge, c'est lui qui renaît... Lui, il était tout petit. Ouais. Il était bâti. Et il y avait Paul Orndorff qui, à cette époque-là, avait déjà commencé à perdre un peu... tu sais, Sarge, là, tu le regardais, puis... Il avait le même body qu'il avait il y a 20 ans. Il pouvait lutter, ouais. tu sais. Il luttait même encore, je pense, à cette époque-là, Sarge. Je pense que oui. Ouais, oui, je pense que tu as raison. Souvent, on le voyait à WCW. Et il gérait le Power Plant avec, entre autres... je sais qu'ils étaient trois. L'autre, je le revois. Faudrait que je trouve le nom. Il y a les cheveux... un autre qui a les cheveux foncés, frisés. Puis les trois sont dans mon vidéo. Il y a Sarge... Monsieur Wonderful et l'autre. Et c'est sûr que cette journée-là, j'ai renoué avec Orndorff, puis on a jasé ensemble de l'époque WWF. Et on est allé chercher, parce que ce qu'on a fait, là, c'était une grosse joke, là, c'était un combat de lutte entre Thor en équipe avec Martel contre le tourneur et moi. Ça devait être bon. Écoute, c'est. D'après moi, là, les gens ne l'ont pas vu. Parce qu'il y aurait des millions et des millions de vues sur YouTube. Là. J'ai sorti de là avec un... un collet cervical? Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que tu as la vidéo de ça quelque part? Oui. On va le mettre sur la page Facebook, soyez-y, mesdames et messieurs. Pas là, là, parce qu'il est sur une cassette. Bon, you, c'est bon, you! Il faut que je le sorte. Sur puis une je veux cassette. Revenir là-dessus au complet. Ah oui, une cassette. VHS ou VHS. Hein? Si tu m'avais dit bêta, j'aurais capoté, mais VHS, déjà moins payé. Oui, c'est déjà moins payé. J'ai beaucoup de choses là-dessus qu'il faut qu'un jour je transfère. D'ailleurs, ça fait un an que j'ai acheté le bidule pour mettre sur l'ordi, puis tout transférer, puis je ne l'ai pas fait encore. OK. Fait que j'attends que ma femme, mon épouse, soit à retraite, puis je dis Hey, fais ça. Écoute, si je me fie au pot de peinture dans ton bureau à maison... Ouais, mais là, c'est fait, là. Ouais, je sais, mais ça a pris combien de temps? Trop. C'est ça. Mais pour en venir à nos moutons, Paul Orndorff, les visages qu'on voit, tu sais, c'est il se tape sa tête, tu sais, découragé de nous ouais, voir. Ouais. Puis il avait embarqué. Il avait vraiment embarqué. Puis, ça, c'est le fun. Même à un moment donné, c'était gênant parce que les lutteurs nous regardaient. Oui. Tu sais, écoute, moi, j'ai jamais mis les pieds ou me donné un swing d'un câble, je sais pas c'est quoi. Puis, écoute, c'était horrible. Loufoque. C'était loufoque. Loufoque. Et je le décris avec le tourneur par après. Fait que je te le ferai. Oui, j'aimerais savoir ça. Mais c'était la dernière fois où j'ai eu un contact avec M. Wonderful, Paul Orndorff. Puis pour moi, de le voir là, à Atlanta, c'était... Oui, j'étais professionnel, puis oui, je m'en allais faire quelque chose de loufoque avec Martel, puis tout ça. Mais
c'était une vedette de mon, pas mon enfance, mais mes débuts. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on a tout parlé là, du vidéo de Land of a Thousand Dances puis tout ça? Là, de le revoir là. Ton premier break dans cette business-là de la lutte, lui était là, en faisait partie. Je me sentais comme un petit gars qui voyait une vedette de sa jeunesse. Fait que, non, écoute, ça a été une personne, surtout pour les plus vieux, parce qu'on a vu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux suite à son décès. Puis on en a parlé aussi hors des ondes ici. La démence, c'est une maladie... épouvantable. Moi, ma mère commençait à en faire juste avant de mourir. Et puis, écoute, j'imagine sa famille, là, ça devait pas être évident. Mais M. Wonderful a fait partie de ma carrière sur deux fédérations, ce qui est quand même le fun, la WWF et la WCW. Donc, je tenais... à ce qu'on en parle puis qu'on fasse le tour de ce que j'ai vécu avec M. Paul Orndorff. Super intéressant, Marc. Écoute, on va aller une petite pause, puis au retour de la pause, on va faire un petit les nouvelles à Blondin, savoir ce qui s'en vient sur le podcast. Donc. Oui, parce que j'ai travaillé pas mal sur les 5, 6, 7 prochains épisodes, puis je veux voir comment les gens vont réagir. Parfait. Garage Martin-Henri, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto, et ceux de M. Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223. C'est le retour du fameux segment « Les nouvelles ». À Blondin. Oui, les NB. Oh, on commence. La boutique en ligne, c'est rendu où? Oui, écoute, justement, mon beau-fils, Vincent, a reçu toutes les photos de nos amis de CFGL Métaux, Trophée Concept. Oui. D'après moi, pour la rentrée, le site devrait être prêt. Ça va être le fun. J'ai bien hâte. Très bonne nouvelle. À tous ceux que je parle... Ils trouvent ça compliqué de la façon que ça se fait, dont Mastro. Oui. Et les gens m'ont dit, garde, pourquoi pas? Et c'est sur le point de se faire. Parfait. La bière, Bédard Bessieux. Très, très bonne nouvelle. La semaine passée ou il y a deux semaines, j'ai dit qu'il n'en restait plus. Finalement, il restait peut-être une trentaine de bouteilles. Kelly m'a envoyé par Facebook, un endroit à bel oeil, un genre de dépanneur qui en restait. Il a pris des photos. J'étais content parce que Michel Duplantis, qui était un arbitre dans le temps, je ne sais pas s'il arbitre encore, Michel, il en cherchait. Alors, les gens de la Rive-Sud peuvent aller voir là. Et la bonne nouvelle, c'est que Yann Lamoureux, qui est un des propriétaires et qui est le chef brasseur de la brasserie Noire et Blanche, de Saint-Eustache a confirmé que la Bédard Bessieux va être de retour l'été prochain. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Incroyable. Oui, parce que c'est pas juste les fans de lutte qui ont aimé la bière. Eux, ils en ont vendu beaucoup à leur boutique et les gens l'ont aimé. Oui. Même du monde qui ne connaissent pas Marc Blondin, qui ne connaissent pas Sim, ils n'ont aucune idée c'est quoi Bédard Bessieux, ils l'ont aimé. Donc, elle reste là et il m'a parlé printemps, mars, avril, le processus va s'enclencher et sûrement qu'on aura une meilleure distribution. Sûrement qu'il va y avoir... j'ai déjà des idées de marketing pour aller avec. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Wow! Super, ça. Hey, parle-nous du fameux show de lutte que tu veux organiser au mois de mars, qui est à la recherche d'une salle. Là, oui, bien, juste ceux qui auraient manqué l'épisode où on en a parlé. Au mois de mars, ça va faire un an que le podcast... il va y avoir 52 épisodes de fait. On est rendu presque à la moitié déjà. Pour souligner ça et également la sortie du livre qui est prévu pour mars, je veux faire un événement de lutte je regarde. Il faut que je retourne voir mes amis du couteau tranché, voir comment ça peut se faire. Ça risque d'être compliqué de le faire là. Je recherche une salle, je regarde ça, je parle à tous ceux qui sont autour du podcast.
qui vont faire partie de ça. Fait que ça avance, tranquillement, ça avance. À suivre. T'as ouvert la porte sur le livre, t'es rendu où dans ton livre? Écoute, ça va super bien. Et d'ailleurs, parlant du livre, tu sais que c'est Bertrand Hébert qui est le co-auteur. Et je veux saluer Zach, son fils, oui, qui a eu un premier combat officiel face à, comment tu l'appelles, Mike Bailey? Quoi, oui, son surnom déjà? Speedball. Speedball. Dans ma tête, c'est toujours Cannonball. Fait que c'est pas la même affaire. Pas en tout. Mais écoute, il a super bien fait. Bertrand était fier de nous envoyer le vidéo et tout ça. Puis il a une belle shape. Puis ouais, vraiment, une belle prestance. Alors bravo, Zach. Et pour le livre, ben, je suis rendu, écoute, c'est pas évident. Je suis rendu à la portion où il faut que je fasse un top 10 de mes top animations live dans ma carrière. Fait que, tu sais... Ce sera pas facile, juste en choisir 10. Ouais, c'est ça. Puis lesquels les 10, tu sais, les Alouettes, les Beach Party, c'est quoi, les Main Event, tu sais, j'en ai tellement fait. Ouais. Fait que, écoute, je suis là-dessus. Ça va bien, ça suit son cours. On attend des soumissions, le nombre de pages. Quand t'es rendu que... Est-ce qu'on prend un papier gloss, un papier mat, les photos, combien de pages, la grosseur du livre va être quoi, le cover, la page couverture va être quelle épaisseur de carton? Ça veut dire que ça s'en vient. Ça veut dire que ça s'en vient. Yes. OK, dernière nouvelle, Impact Wrestling. Qu'est-ce qui arrive avec le duo Handsome GF Marc Blondin? Bien, écoute, la logique, le dernier qu'on a fait, qui était Slammiversary, c'est le... On a eu la perfection au... À peu près côté son. Oui. OK. On a eu zéro bug. L'ami Keith a très bien fait ça. Oui, salut. Et logiquement, sont longs à nous confirmer. Oui. Le prochain pay-per-view est au mois d'octobre. C'est Bound for Glory. On devrait, écoute, d'après moi, d'ici deux semaines, on va avoir un courriel qui nous demande si on est libre. Oui. Puis là, la mauvaise nouvelle. Hey, bonne nouvelle! Mon Kenny Omega, accompagné de la main invisible d'Don Carlos, a perdu son titre Impact Wrestling à qui? Christian Cage! Oui, l'ancien de TNA. Ouais. Okay, hey, écoute, si on peut faire Bound for Glory, qui serait un an complet, on aurait fait un an complet. Parce qu'on a commencé en janvier ou à peu près. Ouais, moi, ça a été Hard to Kill, mais toi, ta première expérience, ça devait être Bound for Glory. Oui, c'est ça. Donc, si on fait Bumper Glory, toi et moi, on va avoir fait le tour de l'année. Right? Non, j'ai commencé Hard to Kill. Tu devais le faire avec Sylvain, Bound for Glory. Puis t'avais eu oui, mais Bound for Glory, c'est en octobre. Oui. Mais en 2021, il y en a eu quatre. Oui. On a fait combien oui, ensemble? On a fait les quatre. Seigneur, réveille! Bon, Poppy GF. On va t'en faire, Poppy GF. Dernière pause, puis au retour, tu nous parles des épisodes à venir pour le podcast. Oui! Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Réno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Réno Condo. 438-872-7686. 438-872-7686. Réno Condo va réaliser vos projets. L'on est l'avant-dernier où mes amis de IG, Gestion de patrimoine, Bureau de Montréal-Rive-Sud, présentent le podcast. Alors, je n'ai pas ouvert les discussions, on est encore dans les vacances, je ne sais pas s'ils vont revenir. Mais encore une fois, je vous le dis, planifiez votre retraite, c'est important. Si vous n'êtes pas 100% satisfait, des fois, tu as une petite cloche qui te dit dans ta tête, pas sûr, j'aimerais ça avoir un deuxième avis. Écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact avec mes amis de IG Gestion de patrimoine Montréal-Rive-Sud. Parfait. Écoute, en rafale, parle-moi des épisodes à venir pour le podcast. Écoute, les deux prochains, on a 23 épisodes de terminés avec celui-ci. Oui. Donc, l'épisode 24-25, ça va être avec Jean-François Kelly. La légende vivante. Oui, la légende vivante. Et ça va être le fun parce qu'on va choisir deux TOW. Je pense qu'on va peut-être faire 4 et 7 pour commencer. Et on parle des vedettes qu'on a fait venir. Tu sais, des vedettes internationales, là, pas des locaux, si tu veux, pas des gars de Indie.
Et on va sûrement te contacter selon les TOW. Mais Jim Duggan a tellement fait belle performance contre moi que ça serait intéressant qu'on en parle. On va contacter, je pense, exemple, à Steve Rush, qui a lutté contre Viscera. Fait qu'on va avoir Steve en entrevue qui nous compte comment il a vécu ça. Mais on va parler aussi de ce qui est arrivé autour, là, tu sais, un peu comment tu prends contact, comment ça fonctionne. Ouais, un qui est pris à l'aéroport, l'autre qui toutes les. Écoute, il y en a à côté. Il avait pas mal, oui. Pour à peu près chaque. Oui, là, oui. Elle vient pas, l'autre ci, l'autre ça. Oublier son passeport. Ah, il y en a eu. Alors, il y a deux épisodes qu'on va faire avec Kelly. Par la suite, je vais vous parler d'un voyage en Belgique que j'ai fait. Je vais l'animer. De la lutte en Belgique. Et ça paraît, tu sais, quand tu dis, même à l'âge que j'avais, ce voyage-là était il y a 11 ans, en 2010, mais d'être dépaysé, puis d'être dans un autre monde, c'est vraiment quelque chose de fun. Et c'est là que j'ai rencontré mon ami Laurent Del Prato. Oui. Alors, on va avoir d'ailleurs, Laurent va être avec nous comme invité. Ça va être intéressant aussi. Ensuite, les entrevues à la WWF, ce qui est le plus gros dans ma carrière de souvenir, ça se passait comment? On allait là combien de fois? Le où, pourquoi, comment? Je sais que j'en ai parlé un petit peu, mais là, on va vraiment y aller en détail. Donc, une journée typique dans la vie d'un intervieweur. Ben, un voyage typique, parce qu'on avait deux journées. Okay, parfait. On voyageait, puis tout ça. Alors ça va être le fun aussi. Ensuite, on va parler avec Patrice Maltais des arbitres. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à la WWF, on est obligé d'utiliser les arbitres de Montréal. Léo Maire, Marc Chessault, qui n'était pas jeune. Il y en avait un autre, je pense que c'était Morrison, était tout petit, était bon. Mais on ne pouvait pas prendre les arbitres. Pierre Morrison, avec une moustache, c'est-tu ça? Oui, je ne sais pas si c'est Pierre, là, mais... Il semble que oui, il était bon. Je pense qu'il est décédé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a eu le Montreal Screwjob avec Ebner. Il y a eu Nick Patrick, qui était comme l'arbitre de la NWO. Ouais. Dangerous Danny Davis, qui luttait contre The Animal Steel. Alors, il y a eu beaucoup d'arbitres qui ont pimenter le monde de la lutte. Alors ça, on va en parler. Et finalement, l'épisode numéro 30, finalement, ça se finit pas là, mais pour aujourd'hui, oui. Vos questions. Et vous envoyez ça à SIM 1958 en commercial ou arrobas, c'est quoi le vrai mot? Arrobas. gmail.com. Dans tout ce qu'on a parlé depuis le début ou qu'on va parler dans le futur, posez-moi des questions. Forcez-vous, là, tout le temps les mêmes. Éric, prends un break. Éric Mailloux, prends un break, va jouer au golf. Et puis, les autres, là, écrivez-nous, puis ça va me faire plaisir de faire un épisode pour répondre à vos questions. Mais parfait, ça fait le tour des épisodes à venir. Mais avant de terminer, je te laisse le mot de la fin. Je sais pas. Sacré. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il faut que je dise l'affaire, là. Soyez-y, mesdames, messieurs! Incroyable!